enfants vont pouvoir commencer. Je vous rappelle que je suis votre nouveau professeur, le professeur Swan. Bonjour à tous. Vu que je suis nouveau, je ne vous connais pas encore. Rappelez-moi vos prénoms. Ben, je m'appelle Néo. C'est bizarre ce prénom, d'où ça sort? Bah, c'est mon prénom. Vous avez l'air suspect, monsieur Néo. Suspect? Qu'est-ce que vous racontez? Et pas d'insolence, monsieur Néo, hein? Pas d'insolence, surtout. Non, je vous mets des heures de colle. Oula, ok. Bizarre ce prof. Il me semble que nous avions un deuxième élève. Votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Nuts. Nuts? Mais quel joli prénom, c'est adorable. Les enfants, premier exercice, mathématiques. J'aime pas les mathématiques. Comment ça, vous n'aimez pas les mathématiques? Dans ce cas, Néo, tout est en rue. Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pas d'insolence, monsieur Néo, mais... je note vos deux heures sur ce cahier. De quoi, mais monsieur? Mais il n'y a pas de mec. Dans un coin, deux heures. Mais... et arrêtez de répondre, sinon je mets 4 heures. Il commence à m'énerver celui-là. Monsieur Nuts, 1 plus 1. Ça fait 2, je crois. Oh, parfait, monsieur Nuts. Quel bon élève. 20 sur 20. Des élèves comme ça, je vais en avoir tous les jours. Monsieur Néo, quelle est la racine carrée de 3506 plus 8 divisé par 15? Non. On ne copie pas. Bon, je suppose que vous n'avez pas la réponse. 42. Mauvaise réponse, monsieur Néo. Vous avez 2 heures de colle. Non, 6. Non, 7. Non, 15 heures de colle. 15 heures? Bien sûr, il n'y a pas de mais. Et taisez-vous, sinon je pars à 30 heures. Oui. Très bien, monsieur Néo. Maintenant, nous allons passer au cours de français. Dictée de mots. On commence par le mot orthographe. Allez, vous écrivez le mot orthographe sur vos ardoises. Bien, nous allons corriger. Montrez-moi vos ardoises. Alors, Néo, voyons voir ça. Lui, orthographe. C'est tout juste correct, hein? Tout juste correct. 5 sur 20. Bon, je note 5 sur 20. Et je suis trop bon encore, hein? Bon, à votre tour, monsieur Nuts. J'ai dit orthographe. Oh, monsieur Nuts, quelle bonne écriture! Alors, il y a peut-être, par-ci, par-là, quelques fautes, mais pour être gentil et pour vous encourager, 18 sur 20. Quoi? Monsieur Nuts! 18 sur 20? Oui, bien sûr! Monsieur Nuts est un très bon élève. C'est au zéro, là, non mais... Chut! Monsieur Léo, silence! Et 18 sur 20 pour monsieur Nuts. Bon, maintenant, passons au chant. Monsieur Nuts, nous commençons par vous. Ok, faites-moi donc silence pour écrire une phrase. Ma porte est morte, je n'ai plus de voix. Faites-moi ta chaussure pour écrire un mot. Mais quel merveilleux chant, monsieur Nuts, vous devriez faire The Voice. Je vous mets 20 sur 20. Alors, je note Nuts 20 sur 20. Cet élève est vraiment parfait. À votre tour, monsieur Léo. Enfin, si vous êtes capable de chanter. À votre tour. Je vous écoute. Ah, quelle horreur! Ça me casse les oreilles! C'est affreux! Mais n'importe quoi! 0 sur 20! Enfin non! 1 sur 20! Mais comparé à Nuts, sérieux! On ne ridiculise pas ses camarades! Mais... attention, monsieur Néo! Si vous continuez comme ça, ce n'est pas loin le bonnet d'âne! Ok, mais le bonnet d'âne, ça date de des années, ça, et on fait plus ça, là! Ok. Maintenant, art plastique. Vous allez me dessiner le paysage qui se passe dans votre rêve. Vous avez 5 minutes, dépêchez-vous.
Monsieur Neuf. Alors, Monsieur Neuf. Oh, quelle merveille, quelle splendeur! 20 sur 20. Vraiment, Monsieur Neuf, quel artiste! Quelle merveille! Monsieur Léo, il semble que vous cachez quelque chose. Non, non. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est magnifique. C'est tout? Mais... C'est tout ce que vous voulez de voir, hein? Oui, mais c'est magnifique, vous trouvez pas? Mais là, c'est un vieux paysage nul, là. Écoutez, ça ressemble à rien, ça ressemble à rien, ça ressemble à... Non, mais où que j'avais d'or? Ça ressemble à rien. 2 sur 20. Ne soyez pas insolent, sinon c'est au chapeau d'âne. Quoi, mais mon beau dessin? 2 sur 20 et je suis trop bon. Rangez vos ardoises, je m'affiche. Bon, maintenant vous allez devoir identifier un pays. Nous allons commencer par Monsieur Nuts. Alors, Monsieur Nuts, où se trouve la France? Oui, Monsieur Nuts, c'est par ici, c'est par là. Oui, voilà. Bravo, Monsieur Nuts, 20 sur 20. Oh, c'est Monsieur Nuts, mais quel formidable. Bon, Monsieur Léo, vous avez 5 secondes pour trouver le lac Omega. Quoi? Mais c'est dans quel pays? C'est parti. Mais c'est dans quel pays? Mais arrêtez, mais c'est dans quel pays? 3, mais vous avez... 4, dites-moi un indice, n'importe quoi. Perdu. Mais c'est impossible. Bonne réponse, où c'est? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, où c'est? C'est dans quel pays? Oh, j'ai trouvé, c'était en Russie. Monsieur Léo, vous êtes tellement mauvais. Cette fois-ci, c'est le bonnet d'âne. Mais arrêtez, non, mais... Mais... Voici le bonnet. C'est pas un bonnet d'âne, c'est un bonnet de Schtroumpf. Mais... Ne répondez pas et par insolence, et se lance. Bon, maintenant vous allez vous asseoir au coin là-bas. Quoi de merde? Pendant tout le coup. Monsieur Nuts est bien meilleur que vous. Quel est ce Monsieur Nuts? J'espère que votre camarade de classe ne vous gêne pas trop. Monsieur Nuts est formidable. Monsieur Léo, c'est tout le contraire. 0 à la leçon. Oh tiens, c'est l'heure du déjeuner. Ça tombe bien, j'ai faim. Hey Monsieur Léo, c'est l'heure du déjeuner. Monsieur Léo, vous pouvez enlever votre bonnet d'âne pour aller manger. C'est pas trop tôt là, franchement. Attends, tu vois. Mais où est-ce que... Où est-ce que j'ai mis... Attends, il est où? Oh zut, j'ai oublié mon repas. Monsieur Léo, Monsieur Léo, Monsieur Léo. Quoi? Vous pouvez partager votre déjeuner avec moi? Faut rigoler, j'espère. En fait, j'ai oublié mon déjeuner et j'ai très faim et à se déarrêter, vous connaissez. Je crois pas, non. Quoi? Pour demain, vous avez mis le repas? Oh, mais j'étais vraiment trop bon avec Léo. Comment je vais faire? Comment je vais faire? J'ai faim, j'ai faim. Bon, il ne reste qu'une solution. Ça va peut-être marcher. Monsieur Nuts, est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de partager votre déjeuner avec moi? Merci, Monsieur Nuts. Bon, bah, c'est mieux que rien. Les enfants, prenez votre ardoise. Votre ardoise? Bonne réponse, monsieur! Non, c'est une mauvaise réponse. Moi, je lis orthographe. Mais... C'est très mauvais! Mais arrêtez, c'est écrit orthographe! 5 heures de quoi vous ne savez pas écrire! Ça va, arrêtez! 0 sur 20! Voilà. Je sais pas quoi dire sur cet animal étrange.